Nous réservons des billets pour le trajet Casablanca, Madrid et Buenos Aires, puis passons la nuit dans nos tentes, devant l'aéroport, avec une seule idée en tête, nous envoler pour l'Argentine. Mais nous étions loin de nous douter de l'imprévu qui nous guettait. Maintenant, on va attendre un petit peu, une ou deux, trois heures, afin de prendre l'avion pour Madrid, qui va suivre ensuite vers Buenos Aires. Si tout va bien. Si tout va bien. Et voilà, tous nos bagages sont arrivés intacts, bien scotchés, nickel. Puis maintenant, on attend le vélo, parce que c'est un bagage spécial, qui nécessite un transport spécial. On espère qu'il va être entier. Ça fait déjà 40 minutes que nous attendons. Eh bien non, pas de vélo, on a un gros souci avec les vélos. Donc en fait apparemment ils sont en Angleterre, donc on a fait une requête auprès de la société de transport. On attend des nouvelles d'ici peu, on espère. Donc on a fait des courses pour pouvoir rester ici, Inch'Allah, comme on dit toujours. Et là on cherche un endroit pour camper. Voilà, donc on perd pas les bonnes habitudes, on a plus les vélos, mais on est toujours sur roulette. Et voilà. Et on va trouver un petit endroit pour dormir. Voilà, enfin vous faites un peu les clochards dans l'aéroport là, mais... Ouais, Aéroport de Madrid, journée 2. Eh ben, on commence à prendre nos marques, on est bien, on est chez nous là. Voici notre chambre avec une vue sur l'aéroport. Voilà, 3h30 passée, on s'est encore fait réveiller ce matin, cette fois à 8h30, parce qu'on n'a pas le droit de dormir par terre dans un aéroport, hein, voilà. Non, pas tout le temps, quand ils ont pas envie de nous voir par terre, en fait, ils nous réveillent. Et puis ce matin, on teste la terrasse de l'hôtel, qui est sympa. Voilà, aussi. Il y a le soleil, c'est pas mal. Quatrième jour dans l'enfer de l'aéroport, on commence vraiment à sentir... SDF, quoi. Donc on attend le fameux cinquième jour, où on va pouvoir enfin se retourner contre Air Maroc. C'est une grosse blague. Franchement, ce qui nous arrive, c'est une grosse blague. On a des hauts, des bas. Là, ça va, c'est le matin. On est gentiment réveillé. Donc, voilà.
Au bout de 5 jours, Royal Air Maroc nous contacte et nous annonce qu'ils ont pris l'affaire en main. Nos vélos ont été retrouvés et envoyés à bon port. C'est une immense joie et un soulagement total. Le voyage reprend enfin. On est arrivé finalement en Argentine. Nos vélos sont arrivés, c'est déjà pas mal. Puis on va sûrement passer la nuit dans l'aéroport. Et demain on repartira à l'aube, on va peut-être aller visiter Buenos Aires, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant il fait beau, on est content, on vient de faire 12 heures d'avion. Nous trouvons une auberge dans San Telmo, un des quartiers les plus anciens de la capitale, et entamons nos premiers jours en Argentine par une visite générale de la ville. Cela fait maintenant une vingtaine de jours que nous n'avons pas roulé. Nous réglons quelques détails techniques avant de reprendre la route. On est super contents.